Bonjour les parents, une nouvelle journée qui débute et qui dit nouvelle journée dit rituel de la date. C'est parti! Alors, aujourd'hui, quel jour sommes-nous? On va devoir décaler la flèche d'une case. Hier nous étions mercredi 22 avril. Aujourd'hui nous sommes dans un jour bleu. Les moyens, vous pouvez essayer de lire cette date. J et E, ça va faire quel son? Je. Et après le D avec le I, ça va faire J. Je dis. Pour les petits, on y va, on repère une case bleue. Va avec le demi bleu. Où est demi bleu? Oui, vous l'avez trouvé, hein? Il est ici. Alors, hop, je prends ma flèche. Je la place sur le mot qui correspond au demi bleu. Et c'est parti. On chante. Lundi, demi gris va à la mare, mare, mare. Mardi, demi vert va à la mer, mer, mer. Mercredi, Domi jaune organise un jeu, 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 jeudi. Ah ah, nous sommes donc jeudi. Jeudi, mais alors quel est le quantième aujourd'hui? Alors, 1, 2 et 1, 3. On le cherche sur la prise numérique. On cherche 2 dizaines avec 3 unités. Oh, là il n'y a que des unités. J'avance. Une dizaine, zéro unité, encore une dizaine, allez, j'avance jusqu'à trouver mes deux dizaines. Hop, là voilà, deux dizaines, mais j'ai zéro unité. Moi j'en veux trois. Deux dizaines, une unité, deux dizaines, deux unités, toujours pas, deux dizaines et trois unités. Nous avons bien le même nombre, 23. Et là, je viens de donner la réponse, 23. Pour vérifier que nous sommes bien le 23, nous allons compter en reprenant depuis le début. Allez, c'est parti. On compte, vous comptez avec moi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 23. Oui, nous sommes donc le 23. C'est le 23e jour du mois d'avril. Avril. Avril. Jeudi 23 avril. Allez, allez les enfants, on se rassemble. Regardez ma formidable classe de petits gnomes. Hop là. Bon, ils sont déjà un peu mieux organisés que la dernière fois, hein, vous ne trouvez pas? On dirait presque une ellipse, presque. Bon, on va les compter? C'est parti. Allez, je vais commencer par la policière, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19. Mais comment ça s'écrit 19? Alors, généralement, on est tenté de donner la réponse à notre enfant. On veut lui dire, bah, c'est un M et un M. Mais je vais vous montrer une technique pour éviter de leur donner la réponse et qu'ils trouvent eux-mêmes. D'accord? Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous allez reproduire cette petite séance, cette petite classe. Alors, si vous n'avez pas de Lego, vous prenez alors des Playmobil, des graines, des pâtes, peu importe. Des poupées. Et puis, cette fois-ci, on va venir coller nos petits personnages sur la frise numérique en débutant bien par le 1. Alors, c'est parti. Bon, je commence. Hop. Allez, vous continuez tout seul. Et voilà, j'ai fini de coller tous mes petits personnages, tous mes petits élèves sur ma frise numérique. Et ainsi, je vois bien où j'en suis. Regardez, le dernier petit élève
à être installé, le 19e. Il se trouve donc sur le nombre 19 et je peux donc maintenant savoir comment s'écrit 19. 19, c'est une dizaine, un paquet de 10 et 9. 9 unités. Allez, à vous d'essayer!